qui serait intéressant, ce serait de montrer que le peintre cherche le même tableau toute sa vie, mais qu'il croit perdre son chemin, il le perd en effet. À chaque toile, le recherche, le retrouve sous d'autres formes, sans le savoir, etc. Alors c'est là que ça m'avait donné l'idée d'un autre titre, qui aurait pu s'appeler « Les chemins de la création ». Et l'image suivante, je voyais la phrase de Saint Jean de la Croix, « Car en ce chemin, perdre son chemin, c'est entrer en chemin ». Alors j'ai passé ma vie à perdre mon chemin pour entrer en chemin. Ça vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pour moi, en tout cas, et pour tout le monde, sans doute. L'évolution de ma peinture depuis 50 ans, elle s'est faite très lentement. D'ailleurs, d'une manière incessante et, au fond, comme malgré moi. Je ne me suis jamais dit consciemment, je vais travailler dans tel ou tel sens. Simplement, maintenant, avec les 50 ans de recul que m'apporte cette exposition de Quimper, je crois voir un peu comment ça s'est passé. Il y a eu d'abord la nature. Bon, j'ai travaillé d'après nature, en somme jusqu'à la guerre, pendant, au fond, les 10 premières années de mon travail, avec une sorte d'angoisse grandissante qui venait de la trop grande profusion de beauté, de richesse du monde, n'est-ce pas ? Et alors j'ai évolué lentement et dans mon sens, sans tenir compte de ce qu'avaient pu faire tous les grands peintres de la génération précédente, que j'ai toujours beaucoup admiré, Bonnard, Matisse, Léger. Mais je voulais faire mon chemin tout seul. Au départ, à 20 ans, j'avais l'impression que je savais dessiner, parce que je pensais que je pouvais dessiner n'importe quoi. Et puis, plus je me suis trouvé devant cette nature tellement complexe, tellement mystérieuse, et c'est ça, c'est le mystère qui est intéressant, et qui vous mène on ne sait pas où, et plus j'ai eu de mal avec le dessin. J'étais, je suis encore souvent, parce que je dessine encore très souvent d'après nature, beaucoup, mais dans la mesure où je ne suis pas paralysé d'angoisse. Mais alors c'est plutôt, et là ça se voit surtout dans les petits carnets que je fais ici à Saint-Guénolé, et où mes dessins, qui ont commencé par être au fond des dessins d'après nature toujours, donc de rochers, de bateaux, de mer, tout ce qu'on veut. Et plus ça va, et plus ce sont des dessins de l'espace, du vent, de la lumière. Enfin, c'est très passionnant d'essayer avec quelques traits d'exprimer, quelques traits qui ne sont absolument pas naturellement figuratifs quand on est dans cette espèce d'absolu de l'espace qui est ma côte de Saint-Guénolé, et que je veux exprimer la lumière. C'est très passionnant de l'exprimer par quelques traits. La lumière, en même temps, sa densité et son mouvement.
D'abord, au début, c'était uniquement une question de vision, de sensibilité visuelle. Et puis, cette vision elle-même a évolué, c'est-à-dire, comme pour tout le monde, elle s'est intériorisée. Et c'est alors que la notion d'objet, dit extérieur, a commencé pour moi à être mise en question. C'est-à-dire que, à l'intérieur de l'objet, l'objet étant, pouvant être aussi bien un paysage, des forces que j'ignorais tendaient à le faire éclater. J'étais de moins en moins sensible aux contours, ce qui m'a donné beaucoup de fil à retordre pour dessiner, et de plus en plus à un certain dynamisme du monde extérieur. Alors cette toile-là, vous voyez, elle était un peu en avance, elle est moins évidemment structurée que les autres toiles de l'époque, et je ne l'aimais pas. Et je ne l'aimais pas parce qu'au fond, elle était en avance sur ce que je faisais à ce moment-là. Et heureusement, elle a été vendue assez vite, tout de suite. Et je ne l'ai revu que récemment, c'est-à-dire 25 ans après. Comme on travaille absolument avec son inconscient, il y a des choses qui émergent dans une peinture et puis qui ne trouvent pas encore leur emploi, leur place. On ne sait pas qu'en faire. Et c'est quelquefois 20 ans ou 30 ans après que tout d'un coup, certaines formes, certaines couleurs deviennent des tableaux. Alors ça, c'est à la suite de plusieurs voyages en Espagne, où je n'étais jamais allé avant, et ce qui m'avait également bouleversé et changé absolument des paysages et des espaces habituels qui faisaient le fond de mon travail. Et alors, bon, je suis donc allé en plein été, au moment où on fait la moisson, enfin, une force dans la couleur extraordinaire, et dont je suis rentré après, et j'ai continué le travail que j'avais en train, l'étoile que j'avais en train. Et puis c'est 2 ans après être allé en Espagne que tout d'un coup j'ai senti le besoin d'autres couleurs et d'autres formes. Et comme toujours, je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, et je ne savais pas du tout qu'en faire. Et c'était l'Espagne que j'avais, si vous voulez, mûri et couvé pendant 2 ans, et qui ressortait malgré moi, comme au fond ressortent toujours les toiles, enfin les meilleures si vous voulez, les plus vraies. Des espaces, la lumière qui change tout le temps,
les espaces qui changent tout le temps, la mer à haute, la marée basse, le vent, la mer, et même la structure chaotique des rochers, etc. C'est le chaos. L'une des dernières toiles de cette période où j'ai je morcelais, si vous voulez, beaucoup la sensation en lui donnant le plus d'intensité possible. Et j'ai eu peur d'une espèce d'éparpillement, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'après, j'ai eu cette rupture et je suis passé à ces toiles à fond blanc, volontairement peintes, en cinq ou six couleurs élémentaires au départ, pour essayer de simplifier ma vision. Donc ça m'a aidé à redémarrer. Le dernier jalon, si vous voulez, de ces toiles claires, c'est cette toile que j'appelle « Silence des hauteurs » où j'ai un immense blanc, un blanc très pur. Enfin, j'ai même choisi une toile qui soit très blanche. Et bon, c'est le dernier terme de ces structures claires. C'est assez difficile de réaliser un blanc qui ne soit pas un vide, qui soit un plein. Et alors après ça, j'ai senti le besoin, comme toujours d'ailleurs, d'aller le plus loin possible dans des couleurs lumière, et dans un espace plus élémentaire. Bon. Ces toiles-là, ce sont les dernières de l'exposition, les plus récentes, et sont celles qui sont le plus intenses à la fois de couleurs et le plus simple de forme. C'est une évolution qui est venue naturellement. Je ne me suis pas dit « je vais faire une chose plus forte ou... ». Mais simplement, j'ai simplifié la vie des angles, par exemple, n'est-ce pas ? En essayant de leur donner leur côté le plus dramatique, et aussi l'élément profondeur qui, comme je vous l'ai dit, je crois déjà,
et pour moi, l'élément précisément dramatique du tableau. Alors, ici aussi, c'est très simplifié dans les formes, mais c'est pas moins... Ben, c'est très, très recherché dans cette simplification. Et aussi dans la couleur, et ça, c'est la dernière, cette toile que j'appelle « Hommage à Turner ». Et c'est peut-être la plus homogène, si vous voulez, dans le jeu uniquement des rouges, des rouges et des oranges. Il me semble que c'est celle qui va le plus loin dans ce sens-là, et c'est la dernière que j'ai faite, en somme. Et là, je repense à ce que Braque m'a dit bien souvent. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est que je n'ai jamais su ce que je voulais. Je crois que ce sont ces rapports passionnels, possédants et encore plus possédés, amoureux, avec le monde, qui m'ont amené à en bouleverser la structure, un peu peut-être comme dans les rapports amoureux avec une femme, on est amené à reconstruire, à bouleverser son corps, à en privilégier ou en magnifier tour à tour telle ou telle partie pour le mieux posséder et plus encore pour en être possédé. Et c'est en ça que, tout en faisant une peinture dite non figurative, je me suis toujours séparé des purs abstraits qui prétendent n'avoir nul rapport avec le monde extérieur, le monde dit extérieur. Eh bien, ce monde, nous sommes rattachés à lui par toutes nos fibres, et c'est tant mieux. Et pour un peintre, c'est essentiellement la lumière et l'espace, et on n'y échappe pas. En somme, c'est la nourriture du peintre, sous tous les cieux et à toutes les époques. Alors, c'est là que j'en arrive à mes rapports avec la Bretagne, et plus particulièrement avec cette côte dite sauvage de Saint-Guénolé, où je me retrouve, où je me ressource depuis plus de 45 ans. Nul n'en a mieux parlé que Julien Gracq, que je cite, « La mer, le vent, la terre nue et rien. C'est une province de l'âme. » C'est dire qu'on y vit dans une sorte d'absolu de l'espace, de la lumière, et qu'il y a, Dieu merci, nul pittoresque à quoi se raccrocher dans les moments de faiblesse, mais que tout est donné à l'état originel. Ce n'est pas un monde fait, c'est un monde en formation, disponible. Rien n'y est figé, depuis les rochers qui en sont encore au chaos primitif, et aussi le mouvement incessant de la mer et du ciel, jusqu'à la lumière perpétuellement mobile, changeante, et jusqu'à la présence physique, obsédante, d'un vent biblique et qui faiblit rarement. Eh bien, je crois que c'est cette constante d'un lieu que j'ai tout de même choisi au départ,
et que je n'ai cessé de choisir, qui a déterminé l'évolution d'ensemble de ma peinture, ce que j'ai appelé une évolution des formes aux forces. C'est-à-dire que ces forces qui ont commencé à se manifester il y a plus de 40 ans à l'intérieur d'un monde qui m'était donné, que je croyais donné, se sont substituées peu à peu aux formes, sont devenues elles-mêmes les formes. Et c'est, il me semble, ce qui apparaît dans les dernières toiles de cette exposition, Naissance, l'Iliade, Hommage à Turner, par exemple.